Thank you very much, Mr. President, for your invitation. So my visit in Ireland is an old project for me with my friend Charles Flanagan. I received him last December in Paris, last year, and we have a lot of opportunities to meet us together to speak about not only a common bilateral question, but about the situation in Europe after the Brexit. And but he did it this morning in this during the lunch. And but you have a lot of occasion to speak about the international situation after the election of Donald Trump, United States, about the new situation over the world, and it's very important to strengthen the old friendship between Ireland and France. This is a very important occasion for me to speak about the situation now, but about the need of Europe. This is the question now, I think so, for the next months or for the next years. And I continue in France, sorry, dear ladies and gentlemen. Merci encore de votre invitation. Et il y a peu de temps, c'était l'année dernière, le président français, François Hollande, est venu lui-même à Dublin. Le Premier ministre s'y était rendu en 2015. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de relations. Et comme je vous le disais, c'est facile de se parler parce que nous sommes de vieux amis, des pays qui entretiennent une relation originale et particulière et qui nous donnent aussi une responsabilité dans la période actuelle, au-delà du court terme, mais aussi sur le long terme. Le Premier ministre irlandais, le Taoiseach, est venu trois fois déjà en France, depuis qu'il est Premier ministre. Et puis, en dehors de périodes de présidence européenne, de l'un ou de l'autre, de nos deux pays, il y a énormément d'échanges. J'ai commencé ce matin par une rencontre avec des chefs d'entreprise, secteur de l'exportation. Et puis je me suis rendu aussi à l'Alliance française que j'ai inaugurée dans ces nouveaux locaux et qui montre à quel point la langue française, la francophonie, est quelque chose de précieux que nous avons en commun. Et ce n'est pas seulement la langue, mais c'est aussi la culture. Ce sont aussi des valeurs. En effet, la France est avec l'Irlande, a avec l'Irlande de puissants liens d'amitié, qui sont le témoignage d'une histoire commune, parce que nos deux peuples s'apprécient et se respectent, et ils se connaissent aussi. Je pense bien entendu à la littérature, mais ça ne se limite pas à la littérature, à Beckett, dramaturge de génie qui est né en Irlande, qui est mort en France, et qui a écrit, comme d'autres auteurs irlandais d'ailleurs, dans nos deux langues. Mais ce qui est intéressant le concernant, c'est qu'il avait grandi dans une famille d'origine française qui, persécutée chez nous pour des raisons religieuses, avait trouvé asile ici, en Irlande. Je n'oublie pas non plus la situation actuelle. Je pense à tous ces étudiants français qui fréquentent vos universités. Et j'en ai croisé quelques-uns ce matin à Dublin. Et puis j'ai à l'esprit aussi la ferveur et la gentillesse des milliers de supporters irlandais qui ont chanté dans les rues de France l'an dernier, l'été dernier, c'était à l'occasion de l'Euro. Il y avait une chaleur sincère et spontanée, ce qui reflète la qualité de nos liens, mais qui tient peut-être au fait que nos pays n'ont jamais été en conflit. Non, nous n'avons jamais été en conflit. Nous n'avons pas la même relation qu'avec l'Allemagne, même si nous nous sommes réconciliés, heureusement, mais il a fallu du temps. Il n'y a qu'un sujet qui nous conduit à nous affronter, que nous avons abordé à plusieurs reprises aujourd'hui, mais nous n'étions pas embarrassés de le faire, je dois dire, ça n'a créé aucun incident diplomatique. C'est ce qui va se passer encore une fois samedi à Aviva Stadium. Donc là, ça sera un peu plus rude. Mais concernant nos relations culturelles, je le disais, elles sont anciennes. Elles sont marquées par exemple par la création du Collège des Irlandais à Paris en 1677. Ou encore la
première chaire d'enseignement du français qui a été créée ici à Trinity College en 1776. Et donc j'ai pu me rendre compte de tout ça, même si mon séjour est bref, depuis mon arrivée ce matin. J'ai visité la bibliothèque magnifique où j'étais accueilli chaleureusement et qui m'a beaucoup impressionné. Quant à nos relations économiques, elles aussi sont très fortes. Et la France, je le rappelle, est le quatrième partenaire commercial de l'Irlande. Les investissements irlandais en France sont en forte accélération. La plus importante opération d'investissement direct en France récemment, c'était en 2015, a été réalisée par le groupe irlandais CRH, qui est une entreprise mondiale des matériaux de construction. Et quant aux petites et moyennes entreprises irlandaises, je l'ai vu encore ce matin, elles sont très actives. Et quant aux entreprises françaises, elles sont également disponibles pour apporter leur contribution à tous les projets de modernisation, les projets d'investissement qui sont définis par les autorités irlandaises dans le cadre d'une vision stratégique qui est clairement tournée vers l'avenir. C'est le choix qu'a fait l'Irlande. Et j'ai pu m'en rendre compte aussi au cours de ma visite. J'ai pu apprécier le talent, la créativité, le dynamisme de l'Irlande dans tous les domaines. Et puis j'ai poursuivi les riches échanges que j'entretiens avec mon collègue et ami Charles Flanagan. Je vous le disais à l'instant. Nous avons pu le faire il y a encore quelques instants. Et à présent, je suis heureux de pouvoir parler devant vous dans le cadre de votre institut, de Institute of International European Affairs. Pourquoi ? Parce que c'est important aujourd'hui, sans doute plus que jamais, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps du débat pour affronter les grandes crises que traverse le monde d'aujourd'hui et aussi chercher ensemble des réponses nouvelles, des réponses adaptées, des réponses efficaces aux défis du monde. Et ces défis, vous le savez, ils sont nombreux. Je pense bien évidemment à une menace que nous n'avions pas imaginé d'une telle ampleur, c'est la menace terroriste. Cette menace terroriste, qui est nouvelle d'une certaine façon par son systématisme, a frappé dans toute sa barbarie en France, mais pas seulement en France, dans beaucoup de pays, et nos principaux partenaires sont concernés, mais beaucoup de pays à travers le monde. Et en Irak et en Syrie, le combat mené par la coalition internationale conduit Daesh à reculer. Mais la menace est toujours là et elle est forte. Elle peut frapper à tout moment. Et ce développement sans précédent d'un groupe non étatique, parce que nous avons eu le terrorisme étatique dans le passé, mais aujourd'hui c'est un groupe non étatique et qui en même temps est déterminé, qui est structuré, qui pense et qui est hostile, et qui nous est hostile, non pas nous personnellement, individuellement, mais qui est hostile à notre mode de vie et à notre façon de vivre en société. Ce n'est pas rien. Alors je pense aussi, bien entendu, à tous les autres secteurs de crise qui existent. Je pense à un en particulier parce qu'il dure depuis si longtemps. C'est le conflit israélo-palestinien. L'engagement périodique de négociations, leur échec, on crée beaucoup de désillusions, beaucoup d'amertume aussi sur le terrain, chez les Palestiniens. Malgré l'intense mobilisation internationale, malgré la prise de conscience que le statu quo actuel n'est pas tenable, et en dépit du fait que nous connaissons depuis des années les contours de la solution, nous les connaissons, oui, c'est celle de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Et si j'évoque particulièrement ce point, c'est parce qu'il ne faut pas le prendre comme un point secondaire qu'il faudrait traiter une fois qu'on aura traité le reste de la crise au Moyen-Orient. Non, il est trop ancré, il est trop profond, il est trop ancien pour qu'on ne le prenne pas encore plus au sérieux. Et je voudrais remercier l'Irlande, qui une nouvelle fois n'a pas ménagé son soutien à l'initiative française de relance du processus de paix au Proche-Orient, et en particulier en participant à la conférence du 15 janvier dernier à Paris. Oui, le monde dans lequel nous évoluons est un monde de tension, un monde d'instabilité, où les équilibres peuvent être renversés du jour au lendemain, où l'action diplomatique de la première puissance mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, peut elle-même
être source de doute et d'incertitude. Et ça, c'est un fait nouveau qu'il faut regarder en face. Et quant à l'Europe, elle n'échappe pas non plus à cette tempête. Les tensions du monde sont à ses portes et ont des conséquences directes sur nos pays, chacun de nos pays. Et plusieurs régions de notre voisinage sont en proie à l'instabilité et à la guerre. Des millions de réfugiés quittent leur pays pour échapper à la barbarie. Les groupes terroristes menacent directement l'Europe en s'efforçant de semer au sein de nos sociétés la division et la haine. Et la crise financière de 2008, qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle laisse encore des traces profondes, elles n'ont pas disparu. Elles n'ont pas disparu complètement. Et l'Irlande a été l'un des États membres de l'Union européenne le plus durement touché par cette crise. Et en même temps, je le redis ici devant vous, l'un des pays les plus courageux pour en sortir, et qui, durant cette année, a procédé à un ajustement budgétaire douloureux qui a permis un redressement durable de son économie. Mais le prix à payer a été lourd. Il faut en être conscient. Et dans l'ensemble, l'Europe, malheureusement, reste affectée par une trop faible croissance, qui est liée aussi à des mutations profondes de son économie, qui crée des opportunités nouvelles, cette économie qui se transforme, mais aussi qui présente de nouveaux risques pour les plus vulnérables. Je pense bien entendu aux conséquences à la fois de la mondialisation des échanges qui s'est accentuée, mais aussi de la révolution technologique du numérique. Une chance et aussi des risques. La multiplication des crises, leur ampleur, leur simultanéité, les conséquences qui en découlent, l'augmentation, malgré des progrès importants, des inégalités, déstabilise et alimente l'inquiétude des populations en Europe, La confiance des peuples dans nos démocraties s'est érodée. Et le projet européen devient trop souvent un bouc émissaire facile pour tous les partis populistes, tous les mouvements qui exploitent ces peurs et qui encouragent le retour à la nation comme solution et qui, au fond, nous font revenir largement en arrière dans le temps, puisque cette crainte que nous avons, elle est grave, c'est celle du retour au nationalisme qui ont conduit à la catastrophe, en particulier dans le continent européen. Alors, parmi les défis que l'Union européenne doit relever, évidemment, il y a une décision grave qui a été prise, c'est celle du peuple britannique, c'est celle du Brexit. Le retrait britannique n'est pas une question anecdotique. C'est certes un défi technique et juridique qui va faire l'objet de négociations qui vont démarrer bientôt, mais c'est la première fois que nous aurons à défaire un des liens que nous avons tissé patiemment depuis 1973. Et ce défi, au-delà du juridique, au-delà du technique, c'est d'abord un défi politique. Car la décision britannique a mis en lumière des interrogations et des doutes chez les citoyens sur le projet européen. Et pour répondre à ces interrogations, il faut agir de façon concrète et efficace, et d'abord en maintenant la cohésion européenne, parce qu'elle-même, elle est menacée. La solidarité et la cohésion entre les 27. Nous sommes entrés dans une période de doute, et qui est particulièrement perceptible en Irlande, après la décision du Brexit. Elle est perceptible en Irlande, compte tenu de la relation historique qui existe entre votre pays et le Royaume-Uni. La sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni soulève des questions inédites pour l'Irlande. Je pense notamment à celle de la libre circulation des personnes sur l'île, qui est permise par l'existence d'une zone de voyage commune, Common Travel Area. Cette libre circulation est un élément central de la paix si chèrement acquise. Et comme l'a dit votre Premier ministre, l'Union a toujours réussi à supprimer les barrières qui s'élevaient entre les peuples. Je sais les craintes que cette situation nouvelle suscite ici. Et nous en avons bien entendu parlé à plusieurs reprises, et notamment aujourd'hui. Parce que nous partageons à bien des égards vos interrogations. La France a aussi des liens avec le Royaume-Uni, des liens très forts.
Nous aussi, nous évaluons les conséquences du départ des Britanniques sur nos relations, dans les domaines économiques, dans les domaines de la défense, en matière de politique étrangère. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, nos deux pays. Donc c'est pas rien, tout ce qui se passe. Nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences. Donc nous devrons faire en sorte que ces liens, ou nos coopérations bilatérales, parce qu'elles existent, puissent perdurer sans que les principes fondamentaux de l'Union soient mis à mal et en nous assurant que les règles du jeu soient équitables. C'est tout l'enjeu de cette négociation qui va commencer. Tout accord sur la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne doit reposer sur un équilibre entre droits et obligations. Le maintien d'une participation du Royaume-Uni au marché unique, son accès, devrait passer obligatoirement par l'acceptation des quatre libertés, et notamment celle relative à la libre circulation des personnes. Donc le Royaume-Uni a choisi une autre voie. La sortie de l'Union douanière, et la sortie aussi de la Cour européenne de justice, c'est-à-dire du droit européen que nous les élaborons en commun, pour reprendre sa liberté, sa souveraineté en matière législative et en matière de normes. C'est leur choix, il est cohérent, mais il faut en assumer les conséquences. Et cela, je dis, sans aucune agressivité. On m'a posé la question ce matin, ce midi plutôt, à la conférence de presse que nous avons tenue avec Charles Flanagan. Est-ce que c'est vrai que la France veut punir le Royaume-Uni ? Il n'a jamais été question de ça. Ça, c'est une manœuvre, peut-être venant de certains médias, mais je ne suis pas sûr s'il n'y a pas certaines arrière-pensées tactiques. Mais nous ne voulons pas aller sur ce terrain. Nous voulons avoir une approche rationnelle, cohérente de la négociation, mais en étant basée sur nos principes et les règles de droit, et qui doivent être traitées équitablement, mais sans incohérence qui mettrait en péril l'avenir même de l'Union européenne. En tout cas, c'est la position de la France, mais je crois l'avoir partagée aussi avec l'Irlande aujourd'hui. Ce n'est pas pour moi une surprise. Et ce n'est l'intérêt de personne qu'on se mette dans un processus d'agressivité qui n'apporterait rien. Mais il est clair que l'on ne peut bénéficier des avantages de l'Union européenne sans respecter les obligations qui en découlent. Donc le choix de sortir est un choix grave qui n'est pas sans conséquences, mais il faut en assumer la réalité, puisque cette réalité ne vient pas de nulle part et vient d'un référendum, c'est-à-dire du choix qu'a fait le peuple britannique. Alors il faudra que nous examinions comment la situation particulière de l'Irlande peut et doit être prise en compte dans ce contexte, mais aussi dans le respect des dispositions des traités. Et je l'ai dit aussi à plusieurs reprises aujourd'hui, au Premier ministre comme au ministre des Affaires étrangères, vous pouvez compter sur l'aide de la France. Nous voulons vous aider pour trouver la bonne solution. Car je suis convaincu que l'Union doit sortir plus forte de ces négociations. Et cela suppose un engagement renouvelé de notre part, une conviction que l'Europe est seule à même de défendre nos objectifs, nos intérêts, nos valeurs, une détermination à faire prospérer un projet qui a apporté tant de bénéfices à l'Europe et à ses peuples depuis la Seconde Guerre mondiale. Car depuis 60 ans, le projet européen a été suffisamment fort pour se renforcer à travers les crises. Est-ce que nous sommes capables de le dire avec fierté, que nous sommes fiers de nos réalisations ? Je ne suis pas sûr que nous le fassions assez, que nous ne parlions pas suffisamment de l'Europe en termes positifs. Les jeunes le font souvent lorsqu'ils ont la chance de pouvoir bénéficier d'un programme Erasmus. Mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas dire l'Europe, c'est Erasmus, l'Union européenne, c'est Erasmus et on a fini. Non, il faut redire que dans le monde complexe, incertain dans lequel nous vivons aujourd'hui, que l'Europe est la première puissance économique et commerciale du monde, que notre monnaie est la deuxième monnaie de réserve, que l'Europe est le plus grand espace démocratique, le plus grand espace de libre circulation pour les biens, les capitaux, les services et les hommes, et qu'en même temps que l'Europe, l'Union européenne, revendique les meilleures normes sociales et environnementales.
et les meilleurs standards démocratiques, justement, que nous veillons en permanence à défendre partout dans toute l'Europe. Et vous voyez bien qu'à chaque fois qu'un pays membre de l'Union veut s'en éloigner, ça crée aussi une interrogation et même une interpellation. C'est ça que nous représentons. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous représentons comme force? Je ne suis pas sûr. Nous pouvons faire mieux pour mieux défendre, mais nous ne devons pas simplement nous contenter de défendre. Nous devons aussi affirmer que l'avenir du monde passe par des ensembles politiques cohérents et stables, et que l'Union européenne existe déjà et qu'elle doit être renforcée et non affaiblie, parce qu'elle est utile pour ses peuples, qu'elle les protège, qu'elle les défend, qu'elle leur permet de se projeter dans l'avenir, mais qu'en même temps, elle est utile au reste du monde comme un grand pôle de stabilité et de progrès, justement pour défendre, répondre à tous ces défis. C'est pour ça que je crois que nos concitoyens ne veulent pas moins d'Europe. D'ailleurs, vous avez vu qu'après le Brexit, on avait cru à une contagion qui allait se propager à vitesse comme le feu qui prend dans une forêt. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Même s'il y a toujours des interrogations et des hésitations. Parce que intuitivement, les peuples sentent bien qu'il y a un basculement. Et que ce basculement est un basculement vers l'inconnu. Et que nous ne pouvons pas prendre des risques de cette nature. Mais en même temps, nos concitoyens attendent de l'Europe qu'elle réponde mieux à leurs préoccupations. C'est ça qui est notre tâche aujourd'hui, qu'elle les protège davantage. Non pas de manière défensive, mais en consolidant le modèle que je viens d'évoquer et en assurant sa pérennité, en le modernisant, en l'adaptant aussi aux nouveaux défis du monde, mais en étant toujours, j'allais dire, un pas en avant et en même temps attentif à tous les territoires et à tous les pays qui composent cette Europe et dont certains ont plus de difficultés que d'autres. Les populistes, les partis populistes, les partis nationalistes exploitent les évolutions du monde. Ils exploitent la menace terroriste. Ils exploitent la crise migratoire. Ils exploitent le sentiment diffus de la peur du déclin pour soi-même et ses enfants. Et donc l'Europe devient leur bouc émissaire, leur cause. C'est la faute à l'Europe. En fait, ils sont sur le mauvais chemin, mais notre responsabilité, c'est de ne pas les laisser installer ce message, laisser croire qu'un remède qui est le leur serait pire que le mal. C'est à nous de l'expliquer. Et pas seulement de l'expliquer par des mots, mais aussi être engagé concrètement pour apporter les réponses lorsqu'elles n'existent pas jusqu'à présent et pour qu'elles soient suffisamment crédibles. L'Europe doit rester notre boussole. Nous l'avons édifiée sur des valeurs qui on doit défendre et qui doivent être la base sur laquelle on s'appuie pour préparer notre avenir commun. Ces valeurs, cet attachement viscéral à l'Europe, je sais que l'Irlande les partage. J'ai été très touché par les mots que le Premier ministre Enda Kenny a prononcés ici, il y a une semaine, rappelant que l'Irlande est d'abord une nation au cœur de l'Europe et que cela ne changera pas. C'est les mots qu'il a prononcés. Parce que l'Europe, ce sont des solutions collectives aux grands défis du monde. Et notre solidarité est essentielle pour promouvoir la paix, la prospérité au sein du continent européen, bien sûr. Mais cette solidarité, c'est aussi avec le reste du monde que nous devons la développer. Et je souhaite souligner l'engagement exemplaire de l'Irlande pour soutenir les migrants en Méditerranée centrale, pour sa généreuse politique d'aide au développement et sa contribution aux opérations de maintien de la paix, aujourd'hui au Liban, au Mali, avec la France, dans les deux cas. Puis je pense aussi à l'exceptionnelle solidarité exprimée par le peuple irlandais dans les épreuves qui ont endeuillé la France en 2015 et en 2016. Cette solidarité, elle est allée directement au cœur des Français. Nous partageons les mêmes préoccupations sur l'avenir du continent africain, qui doit trouver aussi une espérance. L'Afrique ne doit pas continuer à être considérée comme un problème, uniquement un problème. C'est le continent qui connaît la plus grande dynamique démographique, avec une jeunesse qui est inventive, une société civile qui se réveille, des pays qui stabilisent leur gouvernance, même s'il y a encore trop de conflits et trop de misère. Mais c'est notre responsabilité à nous, Européens, de regarder directement en face ce qu'on doit faire pour aider le continent africain, non seulement sur le plan de sa sécurité, mais sur le plan de son développement, de son autonomie.
Et ça, l'Europe peut le faire, mais elle doit le faire. Et cette idée fait son chemin, elle progresse. L'Union européenne est l'ensemble politique qui, avec chacun de nos États, pris séparément, contribue le plus à l'aide européenne du monde entier. Nos deux pays ont aussi, je ne l'oublie pas, une forte culture rurale qui place l'agriculture au centre de nos préoccupations. Cette politique essentielle pour nos territoires, et pas seulement la production, c'est aussi l'équilibre des territoires et des paysages, des traditions. Cette politique essentielle doit rester au cœur de notre action commune. Mais l'Europe a souhaité par la France et l'Irlande, évidemment, va bien au-delà. Elle incarne aussi une certaine conception des relations internationales. Nous sommes attachés, l'Irlande et la France, au multilatéralisme. Et ça, c'est essentiel de le redire ici. Car ce multilatéralisme est aujourd'hui en danger. Et donc, nous devons veiller à construire un ordre international consolidé, fondé sur des règles, sur la coopération et sur le multilatéralisme. J'étais à la conférence de Munich sur la sécurité. J'ai entendu le discours du ministre russe, Sergueï Lavrov, avec qui je parle souvent, mais qui a tenu un discours où il évoquait la nécessité d'un nouvel ordre international post-occidental. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, post-occidental ? Si c'est laisser croire que les valeurs qui ont été à la base de la construction de l'ordre international qui a permis la paix, et d'abord en Europe, ce sont des valeurs occidentales qui le fondent, alors il y a de quoi s'interroger. Car quand nous sommes sortis de la Seconde Guerre mondiale, les nations ont cherché à construire une paix durable basée sur le droit. Basée sur le droit. Les Nations Unies ont été créées alors que les enseignements avaient été tirés de l'échec de la Société des Nations. Et la Déclaration du droit de l'homme a été adoptée en 1948, qui est une base fondamentale du droit, et qui n'est pas un droit occidental, mais qui est un droit universel. Alors si un ordre international post-occidental, c'est de remettre en cause les avancées du droit, alors je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter, mais il y a aussi de quoi se mobiliser pour tenir bon et résister et proposer une alternative. Et c'est là que chacun de nos pays, la France, l'Irlande, bien sûr, mais l'Europe, l'Union européenne, doit revendiquer, proclamer, plus qu'elle ne le fait, cette conception des relations internationales. Et si je l'évoque, c'est parce qu'elle est aussi posée au nouveau président américain, cette question. Elle n'est pas posée qu'aux Russes. Elle est posée aussi aux Chinois. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères chinois à Munich, qui m'a rappelé son attachement à cette conception, qui m'a rappelé son attachement aussi au libre-échange, et qui m'a rappelé aussi son attachement à une Union européenne forte. Je ne l'ai pas entendu de la part du vice-président américain Pence lorsqu'il s'est exprimé devant la conférence de Munich, même s'il s'est déplacé à Bruxelles, où il a évoqué la nécessité de continuer les relations avec l'Union européenne, tant mieux. Mais nous avons besoin de précision. Nous avons besoin de renforcer et d'obtenir une clarification sur toutes ces questions. Parce que le risque d'isolationnisme américain existe. Ce n'est pas par des deals qu'on réglera les crises, qu'on réglera les questions qui sont devant nous, mais par une approche multilatérale. Qu'est-ce que nous avons évoqué au G20 de Bonn la semaine dernière. Nous avons évoqué cela. J'ai parlé de l'Afrique. Nous l'avons évoqué. Mais nous avons aussi évoqué l'agenda 2030 pour le développement. Nous avons évoqué la conférence de New York. Nous avons aussi évoqué le financement de cet agenda. C'est la conférence d'Addis Abeba pour le développement. Mais nous avons aussi évoqué la question du climat. Et la question du climat, c'est le traité de Paris. C'est l'accord de Paris. C'est un accord multilatéral. Voilà l'exemple même de la manière dont on peut traiter des grandes questions, des grands défis qui sont devant nous. Et le défi de la transition énergétique n'est pas anecdotique, c'est pas une affaire d'experts et d'autres qui penseraient que les experts ont tort et ceux qui ont non. Non, c'est une question qui est aujourd'hui partagée par la communauté internationale. Donc nous avons progressé
par l'accord de Paris. En moins d'un an, cet accord a été ratifié. C'est dire qu'il y a une prise de conscience, pas seulement chez les responsables politiques, mais qu'il y a une prise de conscience dans les sociétés civiles qui ont été très actives dans la préparation de cet accord, les ONG, mais aussi dans les entreprises qui changent peu à peu leur modèle. Donc là, il y a un défi mondial. Et l'Union européenne peut être en pointe pour porter cette transition énergétique. Elle doit le faire. C'est sa responsabilité. Au-delà du court terme, au-delà des problèmes que nous avons les uns ou les autres, avec le charbon, avec le fuel, mais soyons, je veux dire, l'avant-garde de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Nous le pouvons. L'Europe, l'Union européenne. Et puis, moi, je crois aussi au règlement des crises par la négociation. Comment nous avons fait avec le nucléaire iranien? Bien sûr, il faut rester vigilant. Que cet accord soit respecté. Mais le remettre en cause, ce serait une grave erreur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire à l'Iran, notamment sur le conflit syrien, et c'est ce que nous devons faire. Voilà tous ces défis, mesdames et messieurs, qui sont devant nous, et qui nécessitent en effet que les questions soient posées au bon niveau. Si nous voulons que les citoyens de chacun de nos pays aient confiance, il faut que nous soyons capables à la fois de leur apporter une bonne formation, de bonnes conditions de vie, mais en matière de santé, en matière d'éducation, mais aussi de l'emploi. Mais que nous soyons capables aussi de leur donner la direction vers laquelle nous voulons aller, le sens et le destin de chacun de nos pays. Ils ont besoin des deux. Ils ont besoin que nous agissions à court terme, mais ils ont besoin aussi d'une vision de moyen et de long terme. Donc c'est le sens de l'engagement que je vois et qu'il faut réaffirmer, notamment lorsque nous, les pays membres de l'Union européenne vont se retrouver à Rome le 25 mars prochain. Ce sera évidemment un moment de commémoration. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit qu'un moment de commémoration de la signature du traité de Rome. Parce que là, effectivement, nous ne ferions pas ce qu'il faut pour éclairer le chemin et donner de l'espoir et de la confiance. Non, j'espère que chacun de nos pays apportera sa contribution pour que nous donnions effectivement ce signe. Et qu'un message en sorte, qu'il y ait un message d'avenir, qu'il y ait un message d'espoir, et que ce message soit suffisamment fort et entraînant pour qu'il puisse vaincre les sceptiques, ceux qui doutent et qui doutent de tout. Voilà, c'est notre mission. Elle est lourde, elle est difficile, mais c'est la responsabilité et la grandeur du politique de ne pas s'éloigner des responsabilités qu'il doit exercer. Encore une fois, d'être attentif à la vie de chacun tous les jours, de veiller à aider, de veiller à corriger, mais en même temps, de porter une ambition. Et pour moi, je suis un patriote français, j'aime mon pays, je suis fier de la France, j'ai envie que la nation française continue de jouer son rôle, d'exister, elle ne disparaîtra pas, la France continuera de jouer son rôle sur la scène internationale, en particulier comme membre permanent du Conseil de sécurité, mais en même temps, j'ai conscience des limites de ce que nous pouvons faire seuls. Et j'ai aussi conscience qu'ensemble, au niveau européen, nous pouvons mieux encore défendre les intérêts de chacune de nos nations. Donc il n'y a pas à imaginer l'effacement de l'histoire, l'effacement des nations et de leur culture et de leur identité, mais il y a aussi à aider à construire ensemble des choses plus grandes et plus fortes. Et c'est parfois ingrat. Ça nécessite d'avancer pas à pas. La politique des petits pas, aurait dit Willy Brandt, pour une autre pour la question de la politique étrangère de l'Allemagne à l'Est. Oui, c'est vrai que c'est l'impression que l'on donne, que les choses parfois n'avancent pas assez vite au niveau de l'Union européenne. Mais ne négligeons pas les petits pas. Et ces valeurs, et aussi ces ambitions, mais aussi cette manière de faire, rappellent de nouveau le plus français des Irlandais, que je voudrais citer pour terminer, Beckett, qui dans son roman Molloy, écrivait que se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. Trying hard for small things is accomplishing in time great things. Thank you very much for your attention.